Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 11h10. Bon midi à tous. Je ne vous ai pas reparlé plus tôt ce matin parce qu'on était occupé à faire des petites choses. Mon chum est parti chercher l'arbre à Laurent. Pendant ce temps-là, moi, j'ai tiré mon lait. Puis encore une fois ce matin, j'ai été capable de me tirer un 80. Puis, pendant que mes filles vont être parties, je vais continuer de me tirer du lait pareil, mais je vais le congeler. J'en ai déjà deux qui me restent dans le congélateur. Fait qu'avec hier puis aujourd'hui, ça me donne une bouteille complète. C'est vraiment trop cool. Là, je vais continuer la valise des filles en y ajoutant les vêtements d'Amélia. Après ça, je vais aller me tirer... Non, je sais pas. Il va me rester ce sein-là à tirer, là. Mais je vais aller, parce que là, ma loulou fait des os encore. J'ai continué de faire ma liste de choses à faire, comme ça. J'ai une partie normale, puis j'ai une partie voyage. Faut que je finalise les vlogs. J'ai deux vlogs à faire le montage. J'en ai mis un en ligne programmé pour demain. Sinon, j'avais plus de vidéos de programmer pour le moment. J'en ai déjà deux vidéos de programmer pour le mois de juin, pour mettre que je parte en voyage. J'ai aussi ma petite liste de choses à sortir ou à mettre de côté pour le voyage. Puis là, demain, je vais avoir ma nouvelle valise. La valise que mon beau-père me prête. Et je vais pouvoir sortir... Je vais essayer de me trouver sur Amazon un petit chargeur. Pas un chargeur, mais un porte-chargeur. Mon amie Stéphanie m'en a montré un quand je suis allée chez elle. Elle a payé sur Amazon une vingtaine de piastres. Puis il me reste encore deux, si je veux, deux cartes cadeaux de 20$ que je peux utiliser un peu partout avec mes points Léo. Et je vous reviens. D'aller coucher Amélia. Elle va faire une petite sieste. Pendant ce temps-là, j'ai ma loulou ici. Oups. Ici. Puis là, j'ai sorti deux robes pour le baptême. Je sais pas laquelle je vais mettre. Soit celle-là ou celle-là. Je sais pas laquelle qui va y faire. Elle, c'est une 6 mois. Puis elle, c'est une 6-9 mois. Là, c'est rendu qu'à pour du 6 mois puis du 9 mois, ça dépend. Fait que là, après ça, ça c'est ma valise pour le voyage. Je vais tout transférer mes vêtements après dans la grosse valise. Je vais aussi tantôt ranger les vêtements qui sont là à ma lolo dans le garde-robe. Sinon, dans pas long, je vais mettre des bas et on va aller chez Dollarama. Je voulais acheter... Je vais me faire une liste de choses pour le Dollarama. Parce que je trouve que quand je fais des listes, j'achète vraiment ce qu'il faut. Fait que j'ai besoin de bas pour Amélia. D'élastique pour ses cheveux. Parce que ma mère veut y faire des lulus. Des sandales pour le voyage. Mais ça, je pense que je vais attendre à la semaine prochaine. Des coupes à champagne. Parce que hier, j'étais allée chez Chaloux. Puis en finissant, on en a cherché. Amélia à la garderie. Je suis allée chez Chaloux. Puis en sortant, en sortant de la garderie, j'ai accroché une voiture. On s'est accroché une voiture. En fait, c'est plutôt elle qui m'a accroché parce que dans le fond, je reculais. Je reculais comme ça pour m'en aller vers l'est. Et elle me coupé par la droite. Elle me dépassé par la droite. Fait que elle me rentrait dedans. Puis.
On s'est rentré dedans parce que j'en prenais ma voix. Puis moi, je savais qu'elle était un petit peu plus loin en arrière. Puis j'avais le temps de me dépêcher puis d'y aller. Mais elle s'est faufilée rapidement. Fait que. On a eu un petit incident comme ça hier. Hier, en allant au Walmart, j'étais allée m'acheter du shampoing puis j'en avais plus. Fait que j'étais allée au coiffeur, en tout cas, le salon de coiffure au Walmart. Puis il y avait cette grosse bouteille-là de. Un litre qui revenait en spécial. Qui revenait à meilleur prix. Elle m'en revenait à 30$ au lieu de 40$. Finaliser le sac à couche pour partir à Amélia. Je vais mettre les purées à Lolo dedans. Éventuellement, je vais mettre le lait aussi. Le Similac. Ouais, c'est pas mal ça. Les sacs, les purées, je vais les mettre là-dedans. Puis après ça, je vais mettre des bas. Puis on va aller au Dollarama. Et on va être trop à la course de toute façon pour aller au Dollarama. Fait que c'est pas vraiment l'idéal. Fait que je vais donner de la poire. Puis des pruneaux. Puis pas mes carottes. Fait que ma mère, elle choisira qu'est-ce qu'elle veut y donner. Ah, moi, j'y donne aussi. Je vais donner poire bleue et. Ah non, j'ai déjà des poires. Hein. Je vais donner carottes. Puis je vais rajouter les biscuits maman dedans. Fait que. Ah oh oui, puis je vais aller voir ce que ma Lolo elle veut. C'est quoi tu veux, ma. Je vais passer à acheter des tiges à plantes de tomates, mais je pense qu'on les a encore dans le cabanon. Je voulais vous dire aussi que mon chum est allé au Canac acheter des plantes de fruits, des plantes de légumes. Plus, est allé chercher l'arbre à Laura et il a choisi un érable à sucre. Mais on n'aura pas de sucre tout de suite. Ça va prendre vraiment plusieurs années avant qu'on ait un érable, que l'eau d'érable coule. Mais que ça soit vraiment plus gros. Là. Ça va peut-être prendre 25 ans à peu près, là, si on est encore à cette maison-là. Sinon, comme plant de légumes, mon chum, il a pris. Il a pris tomates, grosses tomates, petites tomates, haricots verts, haricots jaunes, piment rouge, laitue. Je pense que c'est ça à peu près. Plus nos framboises noires qu'on a déjà, qui ont fait beaucoup de fleurs, de feuilles puis de fleurs. Puis les petites fraises de champ qu'on a à terre sur le terrain. De toute manière, Benji ne va pas faire pipi en avant d'habitude quand on l'emmène pas. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est nos plans pour cet été. Je vais aller me tirer du lait bientôt parce que je commence à avoir le sein pas sensible, mais tout de même. Fait que là, je continue les préparations pour partir demain. Parce que demain, il faut vraiment partir de bonne heure parce qu'on a entre 7h30 et 11h30 pour aller porter Benji à la garderie qui est à Saint-Pascal. À 2h15, 2h30 d'ici. Mettons que demain matin, on va être un peu à la presse. Fait que faudrait qu'à soir, tous les bagages, tous les trucs soient prêts. Je vais faire un. Deux bacs de bouffe. Parce que j'ai peur qu'un sac Ziploc, il perce. Pis tout. Mais je vais faire deux boîtes, deux plats comme ça de bouffe. À chien. Plus tard, vous montrer d'autres petites choses. Sinon, j'ai programmé deux vidéos. Vous avez des vlogs jusqu'au 20 mai pour le moment. Et il me reste le vlog d'hier à faire, plus le vlog d'aujourd'hui. Finalement, j'aurais pas filmé d'autres vidéos à part.
Fait que c'est ça. À plus, la gang. Coucou la gang, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai l'air tout sale, mais je suis juste tout détrempée. Puis, ouais, c'est ça. Je suis mouillée, j'arrive d'aller faire mes commissions du Dollarama. Je trouve vraiment que mes cheveux ont poussé. Là, je suis capable de les mettre comme ça sur le côté. Là. Ouais, fait que je suis allée faire des achats chez Dollarama, puis au Canac. Au Canac, je vais vous inclure ici le petit vidéo, mais vous allez l'avoir vu avant celui-ci. Puis, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté mes jardinières. J'en ai acheté deux, là. Puis, au pire, la semaine prochaine, j'irai en acheter d'autres. Ils sont à une pièce et quelques. Une pièce. 11 pièces. Fait qu'ils sont vraiment pas chers. Je les ai pris mauve. Je voulais en prendre plusieurs pareils. Il y en avait d'autres. Je vais pouvoir y aller la semaine prochaine sans problème. Fait que c'est ça, gars. Je vais vous mettre en haut à côté de mon micro-ondes. On va voir. Je vais vous accoter. Et c'est. Fait qu'on voit le lot en arrière. Et là, je me suis pris une petite Beaupré. Un petit cidre de pomme Beaupré. Dans le fond, j'ai acheté ça quand j'ai allé chez Chalou hier. Fait, je l'ai mis dans mon verre. Ça va me rafraîchir parce que il fait quand même chaud. C'est quand même humide. Hier, il pleut. Il fait beau par moment, mais sinon, c'est quand même humide. Là, j'ai ouvert la porte solarium, j'aurais pas dû. Je vais la refermer, mais le mal est fait. C'est ça. J'ai acheté aussi une balançoire pour Laurent. Elle était 18 piastres, c'était vraiment pas cher. Puis deux bouts d'arrosoir pour brancher. Puis qu'il y a différentes intensités. Au Canac, pas au Canac, mais au Chaloux hier soir quand j'étais allée avant de remonter à la maison. J'ai acheté deux sites de pommes Beaupré. J'ai acheté le bulle de nuit pour le baptême demain. Je vais peut-être retourner en acheter un autre. J'ai acheté de la nouvelle Smirnoff que j'ai postée sur Instagram. Mais je vous dirais franchement, elle est pas si tant bonne que ça. On dirait de l'eau. Avec un petit peu de saveur de limonade, de framboise bleue, mais vraiment pas. Ça goûte pas la limonade. On dirait que c'est de l'eau avec allégé de framboise bleue. Hein. Fait que non. Là, hier, j'ai ajouté de l'aromatiseur au baies. Il aurait fallu que j'en aille. À la framboise bleue pour ajouter un kick. Un kick, comme on dit. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Ah ouais. Ça va l'occuper un petit peu, là. Des chips crème sur oignon, j'ai déjà pigé dedans. Moi et ma fille, on a déjà pigé dedans. Ce que j'ai acheté chez Dollar, chez Canac, j'ai des cocombes anglais, des cocombes libanais, cocombes anglais et des pois mange-tout. Ensuite, j'ai acheté deux eaux pétillantes. Des retails d'ici, vous savez comment j'aime ça. Des petits biscuits bretons comme ça, ma fille elle aime ça. Ah bah 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 ouais. Deux coupes, il y en a une qui vient de péter. Ah cool. Il y en a une qui a cassé. Je sais pas c'est laquelle. À propos la déposer. Ouais, c'est en dessous. Non, en tout cas. Ensuite, j'ai acheté des élastiques pour mettre dans le sac à dos de ma fille. Et deux, trois Gatorade comme ça. Ça, c'est l'autre pétillante. C'est la même sorte, les deux. Ouais. Des sacs de poubelle. Des pailles pour mettre dans la voiture. Parce que j'aime pas les foutues pailles en carton. Fait quand je vais chez McDo et que je prends un café glacé, admettons, ou d'autres choses à boire, je demande pas de paille et je prends mes pailles en réutilisable. Des bas pour ma fille. D'autres bas. J'y allais pour ça. Des sacs Ziploc à sandwich. Et je me suis gâtée avec des petites cochonneries.
des petites pêches comme ça et des petites framboises comme ça. Maintenant, des fois, j'ai une envie de jujube, fait que je vais les avoir. Fait que là, je vais ranger le tout, je vais préparer le souper pour Lolo. Elle va souper bientôt. Nous, je pense que je vais faire de la pizza avec une salade. Genre de salade César sans être César.